matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. C'est une joie de vous retrouver pour le thème du jour. Je ressemble à qui? On va regarder ça dans quelques instants. Proverbe 22. Alors, en attendant, dites-moi d'où vous êtes, le pays, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre avec ce chant, « Si je dois trembler » de mon bon ami Julien Adam, qui compose des chants magnifiques, la petite flèche du bas pour les paroles de la chanson. On y va ensemble. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi, mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul es Seigneur, toi seul es roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Oui, le thème du jour, je ressemble à qui? Proverbes 22, 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. Vous savez, nous avons déjà entendu cette phrase-là, dis-moi avec qui tu te tiens et je vais te dire qui tu es. Saisissons que ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers ce que l'esprit de Dieu désire. Dieu appelle ses enfants à choisir la voie de la justice pour être mis à part et saint. Alors il nous appelle à sortir des ténèbres pour marcher dans sa lumière. Alors ça dit dans 1 Pierre 1, 15 et 16, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint.
Comprenez que ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu ne peuvent pas nous donner des conseils provenant du cœur de Dieu. Ils ne comprennent pas la perspective de Dieu. Ils ont écouté la logique et le raisonnement humain plutôt que ce que Dieu dit dans sa parole. Et une personne près du cœur de Dieu ne cherche pas à obtenir des directives morales de la part des non-croyants. Alors le Seigneur est fidèle de nous guider si nous recherchons sa sagesse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens sages sur cette planète. Il y a des gens qui sont, il y a des leaders sur cette planète qui sont très certainement de bons leaders, de bons enseignants, de leadership, évidemment. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a beaucoup. Ils ne sont pas nécessairement renouvelés dans leur intelligence par l'Esprit de Dieu, mais ceci dit, ils sont capables de donner de... Il y a des gens qui sont capables de donner quand même de bons conseils, mais la sagesse de Dieu, il n'y a rien qui remplace cela, n'est-ce pas? Soyons sages dans le choix de nos amis quand même, car ce n'est pas tout le monde qui a nos intérêts à cœur. C'est même risqué de prêter l'oreille à quelqu'un qui n'a aucune idée de votre véritable destinée. Alors, il faut comprendre que la colère est l'une des émotions les plus courantes et les plus destructrices. Je sais, car j'ai moi-même été quelqu'un de colérique il y a presque 40 ans de cela, bien sûr, j'ai été délivré de cela. Et ce matin, ce proverbe 22-24 nous met en garde contre la fréquentation de personnes au tempérament colérique. Monsieur David Hubert disait ceci: le sang-froid, la maîtrise du tempérament et la patience sont des qualités requises pour diriger et une façon de cultiver ses traits de caractère et d'éviter de se lier d'amitié avec ceux dont la vie est marquée par l'emportement et la colère. Un homme en colère, littéralement possesseur de colère, et un homme furieux, littéralement, on parle de quelqu'un, un homme qui dégage de la chaleur. Alors, ce ne sont pas des personnes qui se défoulent occasionnellement, ce sont des machines à vapeur dont le point d'ébullition est inférieur à la normale et qui sont surchargées de carburant. La colère est leur chemin de vie, et marcher sur cette route avec eux, c'est mettre en péril toute votre stabilité et votre équilibre, car leur chemin est parsemé de pièges que le moindre faux pas déclenchera, dit M. Hubbard. Alors aujourd'hui, le message de Jésus est simple: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Justement, lorsqu'un chrétien vit selon les principes, il garde son cœur libre de toute haine, quels que soient les sentiments des autres à son égard. On va le lire ensemble, Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Wow! Alors, ce matin, je ressemble à qui? Lorsque les gens me regardent vivre, ils disent quoi? Ils pensent quoi dans le sens? Est-ce qu'ils disent que je suis un homme violent, une femme violente, ou je suis un homme et une femme selon le cœur de Dieu, rempli d'amour, de sagesse, de compassion, d'attention? Alors, l'important, n'est-ce pas, de savoir à qui nous ressemblons. Alors, on va prier si vous voulez bien. Yes. Merci Seigneur pour Aurore et Thomas. Merci de sauver leur mariage et qu'ils puissent te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Seigneur. Merci de ta fidélité envers eux. Merci pour Richard,
concernant les procédures judiciaires. Merci de lui donner faveur dans cette situation que tu connais très bien. Pose ta main sur Richard, donne-lui ta paix et donne-lui ta faveur. Merci, nous prions pour Sarah, afin qu'elle puisse trouver un lycée à la prochaine rentrée. Merci Seigneur de lui donner ta paix, de la conduire. Nous prions pour Normand qui a un cancer de la prostate. Merci de le guérir, de le relever, de le restaurer complètement. Par ta main toute puissante, nous prions pour Christiane, pour sa santé. Seigneur, tu connais ses défis. Merci de la visiter, de la toucher, de la guérir. Nous prions pour Anaïde, qui est réfugiée, qui a dû quitter l'Ukraine, Seigneur. Merci, Seigneur, de lui donner ce qui est, tout ce qu'elle a besoin. Merci de la protéger, de la garder, de la combler de ta présence. Nous prions pour Darlene, qui a des nodules sur le foie et une hépatite C, Seigneur, que Darlene soit complètement guérie de cela. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans le corps de Darlene. Prions pour Arthur, Seigneur, qui a des kystes sur les poumons. Seigneur, merci de le guérir, de le restaurer, d'enlever tes kystes. Merci, Seigneur, de restaurer ses vertèbres fracturées. Merci de ta fidélité envers Arthur. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les diriger, de les accompagner. À être conscient que tu marches devant eux. Protège-les, bénis-les, garde-les dans ton puissant nom. Amen. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.